Bonjour à tous et bonjour à tous, ici Fanfan du 85 et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Resident Evil 2 où on va pouvoir terminer le commissariat. Oui, je vous l'annonce, ce sera officiellement le dernier épisode dans le commissariat où nous allons prendre le briquet puisque j'en ai besoin pour une énigme et nous allons faire plusieurs petits trucs. Que je vérifie. Parce que là, en fait, on va vraiment terminer le commissariat cette fois pour de bon. Parce que le commissariat a quand même duré longtemps. Il a quand même duré sur 3 épisodes. Alors là, on va revenir dans le commissariat. D'ailleurs, on se rappelle que dans le dernier épisode, j'ai failli mourir comme un con. On va revenir dans l'endroit du commissariat parce qu'on va avoir plusieurs choses à faire. Et déjà, on va commencer à paniquer parce qu'on va rencontrer des liqueurs qui sont venus ici. Et il m'a touché. Saloperie. Bon, dépêche-toi, Claire. Merci. Donc, on va dans cette salle d'autopsie pour obtenir une carte. Une carte qui est quand même très importante, je tiens à préciser. Alors, déjà, il y a un truc qui est pas normal. Vous avez vu que ce truc est tombé par terre. Normalement, ce genre de truc, si je me rappelle dans les salles d'autopsie, ça tient. Vous prenez la carte rouge et là, courez! Parce que les zombies se réveillent! Parfait du premier coup. Parce que je pouvais me faire troller dans cette salle, mais ça s'est très bien passé. Oh, il m'a encore percé la jambe. Hey, pousse-toi! Ah! Donc là, je vais dans cette salle, c'est la salle du générateur. Il m'a même pas mis dans le jaune, c'est ça le pire. Je vais dans cette salle des générateurs pour ouvrir une porte en fait, et pour ouvrir la porte c'est très très simple en fait. Parce qu'il nous dit en plus que si on fait pas attention, on peut provoquer un court-circuit qui couperait l'alimentation générale. Donc en fait il faut faire... Oh! Bah! Oh! Bah! Oh! Oui, je suis légèrement un fan des visiteurs. Comme vous avez pu vous en rendre compte, parce que c'est ce que fait notre ami Jacouille. Et là, en fait, on a ouvert la porte en fait de l'armurerie qui nous permettra d'obtenir un objet important qui est la sacoche. Parce qu'en fait, il y a deux objets, il y a la mitraillette et la sacoche. Et en fait, on va prendre la sacoche pour ce scénario-là, et on prendra la mitraillette pour le scénario de Léon. Alors, je prends pas cette herbe verte parce que je n'ai pas assez de place pour la mettre. Si je me fais trop troller par le liqueur, je le mettrai. Allez, olé! Bon, le problème, c'est qu'il va me taillader la jambe après. Au moins, ce qui est bien, c'est que pendant que tu ouvres la porte, le liqueur, il attend. Ça, c'est sympa. Donc, du coup, on va pouvoir récupérer la sacoche. Bon, ma pauvre Claire se tient les coudes, ça, c'est vraiment pas génial pour elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des balles de pistolet. Ben, ça, je dirais pas non. Donc du coup, la sacoche se trouve ici, et du coup, il faut pas oublier de la prendre. Une mitraillette, une sacoche, je pourrais porter plus d'objets avec la sacoche, prendre l'un ou l'autre. Ben on va prendre la sacoche. En fait, la mitraillette, si je me rappelle, je crois que ça fait pas mal de dégâts, et contre l'un des boss de Léon, ce sera plus utile. Donc du coup, ben, grâce à la sacoche, on a gagné deux espaces en plus. Donc, du coup, on va en profiter pour revenir dans la salle électrique pour prendre l'herbe verte. Allez, loupé pour ton saut olympique, là. Parce que, en jaune, comme ça, s'il me fait cette attaque en jaune, il me tue. C'est pas une blague, hein. Ça m'est arrivé une fois pendant que je m'entraînais... sur cette phase, il y en a un qui m'a fait 7 attaques alors que j'étais en jaune. Je suis mort sur le coup. Bon, par contre, si j'embrasse les murs, ça va pas m'aider. Putain, lui qui essaie de me stalker, mais il n'y arrivera pas. Voilà. Au moins, c'est ça qui est sympa avec les chargements de Resident Evil 2, c'est que les ennemis sont complètement cons, ils s'arrêtent quand vous prenez l'escalier.
Dans les récents Resident Evil, ce serait pas le cas. Ils continueraient de vous suivre jusqu'au point de sauvegarde. Donc là, on va passer à un passage qui nous permettra d'aller tranquillement sans nous faire avoir. Bon, toi, je te bute. Ah, toi, par contre, t'es sur le chemin du péché. Merci. Ces deux zombies-là, je les ai tués parce que j'étais sur le chemin et le premier me faisait croire qu'il était mort, alors qu'en fait, il ne l'était pas. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas recharger automatiquement dans ce jeu, je veux toujours... Alors, il y a une herbe verte là, je peux me permettre, parce qu'on va se séparer de notre clé capitaine à un moment. Je passerai dans un coffre à un moment de l'aventure, mais pas tout de suite. D'ailleurs, petite anecdote, si avec Léon vous avez le fusil à pompe, vous pouvez tirer sur la caméra ce passage-là. Non, tu me fais semblant d'être mort. Ah non, t'es bien mort. Bah, j'ai gaspillé une balle pour rien, bah, ça c'est mal. Putain, il est tombé en deux coups. Oui, elle est tombée, donc on va vous ignorer tous les deux. Putain, il m'a mis dans le jaune, c'est enculé, c'est tiroir. Putain, dépêche-toi, Claire, avant de te faire manger le dos. Bon, du coup, je vais me servir de l'herbe verte. Il y a une herbe rouge, mais on la prendra pas, puisque, comme je rappelle, l'herbe rouge, en fait, sert à vous soigner si elle est mélangée avec une herbe verte. Et là, sur ce coup-là, ce sera pas le cas. Ici, on va prendre cet objet, qui est très important pour la suite de l'aventure. Mais si vous êtes cardiaque, je vous conseille de pas regarder ce passage, parce que... Merci mon cœur, un liqueur qui se balance de l'autre côté. Et tu t'attends pas que la vitre elle explose, donc du coup ça aide pas beaucoup. Oui, j'ai tué ce zombie là, donc il faut pas s'inquiéter. Je prends le lance-grenade. Pourquoi? Parce qu'il y a un liqueur et quand je me suis entraîné, ce liqueur m'a tué. Parce qu'en fait, j'ai essayé de l'esquiver pendant que je faisais les nids, mais le problème c'est qu'il me fait chier donc. Bam! Merci! Die en paix, saloperie! Donc du coup, en fait, si on vient ici, c'est pour une raison. Il y a un objet important, donc on va s'y servir de cette chaudière, ben, du briquet. Et on serait pas revenu au coffre si on n'avait pas... si on était Léon, puisque Léon, lui, il avait déjà le briquet automatiquement. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est que dans cette énigme, il faut d'abord allumer celui du milieu, puis celui de droite, et enfin allumer celui de gauche. Voilà, pour ouvrir. Une petite roue crantée qui vient de tomber par terre. Non, franchement, comment tu pouvais savoir qu'il y avait une roue crantée ici? Parce que faut savoir que cette salle, c'est là où le capitaine Irons en fait fait ses conférences de presse. Il y en a un qui a essayé de d'allumer les trucs pour savoir si une petite roue tombait. On sait jamais. Hein. Bon après le problème c'est que vu comment le capitaine est complètement paranoïaque, je pense qu'il vous ferait assassiner avant que vous terminiez l'énigme. Mais bon là comme on est en pleine invasion zombie, donc toi connasse tu vas dailler. Je sais, ça ne veut rien dire, ce mot, d'ailleurs. Oh, putain, bon, ben, t'auras de la chance, tu rejoindras pas tes ancêtres. Putain, oh, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur, je pensais que c'était un zombie un peu plus loin, non, l'autre zombie plus loin, je l'avais tué. Donc, du coup, on va revenir... dans une salle qu'on avait vue au tout début du jeu, qu'on n'était pas passé dans cette salle d'ailleurs. Ben, tout simplement, ben, pour utiliser notre briquet pour la dernière fois. Parce que après, on ne s'en servira plus du tout du jeu. Donc là, d'abord, un petit tour au coffre. Parce que je vais quand même ranger quelques affaires. Je vais ranger ça parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Pourquoi tu la remplaces avec de la manivelle, crétin?
Ensuite, tac, et ensuite, tac. Voilà. C'est tout ce que j'ai besoin. Merci beaucoup. Sachant qu'on va y revenir au coffre. Parce qu'en fait, je vais me préparer après pour la grosse séquence après, quoi. Donc là, attention, on rappelle qu'il y a toujours un liqueur dans le coin. Loupé! Tiens, je vais prendre un petit risque. Je prends cette herbe verte. Mais par contre, cours, Claire. Non, c'est ça qui est génial avec le liqueur, c'est que vous pouvez toujours faire le toréador avec lui. Donc là, on va dans cette salle qu'on n'est jamais allé depuis le début du let's play. Pourquoi? Bah, tout simplement... tout simplement parce qu'on n'en avait pas besoin jusqu'à maintenant, parce que maintenant on a le briquet. Par contre, Claire, arrête de lécher les murs. Je sais que t'es quelqu'un qui aime beaucoup les murs, mais quand même. Voilà, on allume la cheminée et où se trouve l'objet? Dans le tableau! Non, franchement, mais le chef Irons, il a quand même vraiment des idées très bizarres, quand même. Tu pourrais dire à ton chef, mais vous êtes sûr qu'on peut cacher ce rubis dans ce tableau? Personne ne le remarquera. Ouh, t'en fais pas. À part s'ils allument le feu, mais personne ne ferait ça, parce qu'il fait toujours chaud aux États-Unis. La preuve, on a souvent des incendies en Californie, donc... Bon, j'ai rien contre les Californiens. D'ailleurs, leur incendie, c'est horrible ce qui se passe chez eux. Bon, on va éviter ce liqueur pour The Last Time. Ah, trop tard, fallait faire ça pendant que j'étais à côté de toi. Hein. D'ailleurs, ce liqueur, il est quand même chanceux, hein, parce que il a sa propre cinématique et en plus, je le bute même pas. Donc du coup, je vais ranger le pistolet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a plus besoin de tuer des ennemis, en fait, parce que il y a plus beaucoup d'ennemis après ce passage. On fait un petit mélange. Tac, ensuite, la manivelle, et ce sera tout. Le briquet. Je range le briquet quand même. Que je vais quand même m'occuper de ça au cas où j'ai un troll, mais j'espère pas. Donc là, en fait, on va revenir à la bibliothèque pour accéder à une salle qu'on n'a pas visitée depuis le début du let's play. Hein. Et évidemment, regardez, à la place des zombies qu'on avait avant, maintenant c'est des cœurs. C'est bon. Putain, je pensais qu'il allait m'avoir. Ouais, tu peux essayer de me courser tant que tu veux, mais tu m'auras. Genre, mais... Parce qu'en fait, on va se servir de la manivelle pour la dernière fois. Pour la première et unique fois. Oula, c'est quoi ça? Ah oui. À partir de ce moment, les zombies commencent à envahir le commissariat. Mais il faut savoir que les salles qu'ils envahissent... ne servent plus à rien parce qu'on va plus y passer à ce moment-là. Ouais. Comme je le disais, ces salles ne servent absolument à rien. Franchement, à quoi ça sert de nous montrer cette cinématique pour des salles qu'on va même pas revenir? Encore s'il y avait un coffre après ces salles, ou par exemple si je vous mets un truc, ça m'aurait été utile. Mais non, on reviendra même pas dans ces salles. Bon, attention à ce liqueur. Bon, il me fait toujours tailler le pied, mais bon. Non. C'est bon. Donc du coup, on va se servir de la manivelle pour la première et the last time. Merde! Je sais pas si vous avez remarqué que à quel point votre hôte est légèrement cliniquement con. J'ai oublié la roue. Mais casse-toi! Mais putain, connard de liqueur de merde! Bon, après, on va pas redescendre jusqu'en bas parce que on a...
On va pas redescendre jusqu'en bas parce qu'en fait j'ai. Parce qu'il y a un coffre de l'autre côté donc. Oh le con! Ah bah il fallait bien la petite merde de perte de mémoire dans cet épisode. Bah il fallait. J'ai complètement oublié la roue comme un con quoi. Bon maintenant on va faire un petit olé avec ce liqueur qui va me tailler avec le pied une fois de plus. Ben, ce qui se passera du coup c'est que ce que je comptais faire, le gros ménage que je comptais faire, ben ouais à la place ben je vais le faire maintenant. Comme ça m'évite que je prenne du temps. Par contre faut que je fasse quand même attention de pas trop en mettre parce que j'en ai besoin pour plus tard. Tac, tac, tac. La roue. Ouais, je serais quand même obligé de faire quelques trucs. Au moins, ce qui est sympa avec ce coffre, c'est que comme ce coffre il est là, ben. Ah, mais franchement, je suis désolé, quoi. J'ai même pas fait attention que j'avais oublié de prendre la roue. Ah! Putain, je suis déjà dans le jaune! Tu te fous de ma gueule! Bah pourtant, je rappelle, j'ai utilisé une herbe verte il y a même pas 5 minutes, quoi. Putain, ça me ferait chier d'utiliser un de mes trucs de lance-roquettes juste pour des. Pour ces liqueurs. Bah, je vais quand même te buter, on ne sait jamais, mais ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier parce que j'en ai besoin contre le boss et là je viens quand même de le gaspiller pour un pauvre liqueur. Mais après c'est ma faute. Hein. Si j'avais pas fait, si je faisais plus attention, je l'aurais pas perdu. Hein. Merde. Bon par contre l'eau de liqueur on l'esquivera toujours. Hein. Mais c'est que comme ça s'il me fait trop de dégâts que au moins j'ai pas. Que s'il me faisait trop de dégâts, que au moins comme ça, ça évite que je finisse en orange et que je traîne la patte. Donc en fait, ces roues crantées va nous servir à ça. Il y a un morceau du puzzle qui est juste là. Et le pire, c'est qu'il est juste au-dessus d'une première aération. Donc la question que je me pose, c'est comment Claire peut atteindre sa main comme ça? Putain, Claire, c'est pas Dalsim, quoi. Donc du coup, ben là, par contre, on va faire l'aller-retour. On va pouvoir se barrer du commissariat. Il en était temps, quand même. Parce que là, on a presque toutes les pièces du puzzle. Il faut juste poser le dernier rubis pour avoir le dernier morceau. Parce que, comme vous le voyez, je mets en pause. On a reçu qu'un bout de morceau. Et personnellement, on se dit, mais où est l'autre? Ben, il se trouve en fait dans la salle où il fallait mettre les deux rubis. Franchement, comment tu pouvais savoir ça? D'une énigme qu'on a commencé depuis le premier épisode, qu'on sache maintenant à quoi ça sert. Mais à mon avis, ça va être ça. Je vais être obligé de me servir d'un spray avant le boss. Ça me fait légèrement chier. Ah, je m'en doutais que t'allais me tailler avec le pied. Claire, par contre, arrête de lécher les rambardes, s'il te plaît. Ouais. Je me souviens pas qu'il y a d'herbe verte dans le coin, donc on va se servir d'un spray, malheureusement. Donc, du coup. Tac.
C'est dégueulasse, mais bon, que voulez-vous. Non, c'est... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'on peut revenir dans cette salle, parce que... Vu qu'on va se séparer du rubis, on aura toute la place qu'on veut. Bah, de genre, je suis con. Excusez-moi, là, c'était vraiment le doute. Mais je suis con, on perd le rubis. Donc j'aurai suffisamment de place. Pourquoi j'ai perdu du temps? Oh là là. Vous voyez que tous les sprays qu'on avait récupérés depuis le début, maintenant on les a presque tous perdus. Donc là, du coup, on va se rendre dans la salle du rubis. On va le placer pour la dernière fois. Non. C'est sur celui-ci que j'ai pas mis le rubis. Tac. Et du coup, mais on récupère la dernière partie. Du coup, on fait tac, tac. Et voilà, on a la dernière partie du puzzle, c'est-à-dire la partie 1. C'est-à-dire la partie qu'il fallait. D'ailleurs, j'aurais dû ranger la clé capitaine, parce que finalement, la clé capitaine ne nous sert plus à rien après ce moment-là. On va faire ça et je vais me faire une sécurité. T'as décidément, j'adore beaucoup retourner au coffre. Hein, je suis désolé. Bon. C'est vrai que j'aurais pu tout prévoir depuis le début. Donc du coup, on range la clé et par sécu, je vais prendre mon pistolet. Parce qu'en fait, le boss n'est pas difficile normalement. Mais après, on ne sait jamais. Parce que il est très trollesque comme boss. Et je sais qu'avec Léon, il est très facile à tuer. Parce que Léon a une arme en fait qui peut stunner le boss à chaque fois. Mais par contre, Claire, elle a pas d'arme qui stun le boss. Donc il pourrait nous troller. Donc c'est pour ça que j'ai pris deux sprays en fait. Et donc là, quand on revient dans le bureau du commissaire, devinez qui on va retrouver. Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. Il y a une erreur de traduction, mesdames et messieurs. Elle dit tu vas bien plutôt. Elle dit pas ça va avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ça? Journal du capitaine. Tout est fichu. Ces chiens d'Umbrella sont allés jusqu'au bout. Ils devaient épargner ma ville. Tu parles. Bientôt il n'y aura plus que des zombies dans les rues. Je me demande si je ne suis pas infecté moi aussi. J'abattrai moi-même ces ordures si c'est le cas. Mon plan pour créer la panique chez les flics a marché à la perfection. J'ai fait en sorte que personne de l'extérieur ne vienne nous aider. Je suis maintenant certain que vu comment la police cafouille, nul ne sortira vivant de ma ville. Vous voyez, le commissaire très gentil quand même. Je me suis aussi assuré que tous les moyens pour sortir du commissariat soient bloqués. Il y a encore des survivants qui essaient de filer dans les niveaux inférieurs, mais je veillerai à ce qu'ils ne s'échappent pas. J'ai changé d'avis pour les survivants du commissariat, j'ai décidé de les traquer moi-même. J'ai fait exploser le cœur de Ed il y a moins d'une heure. L'expression sur son visage lorsqu'il s'est effondré dans une mare de son propre sang, ça m'a donné des frissons de plaisir. Ok, psychopathe! Et il m'a regardé jusqu'à ce que ses yeux deviennent tout vitreux. C'était splendide! Je me demande si la fille lumière est toujours en vie. Je l'ai laissé filer pour avoir le plaisir de la pourchasser plus tard. Je vais bien m'amuser avec son cadavre congelé pour l'éternité dans la position que j'aurais choisi de lui donner. Et oui, dans l'épisode 2, je vous avais dit que c'était très bizarre que la fille lumière était en mode qu'elle s'était fait bouffer sur le corps. En fait, c'est pas qu'elle s'est fait bouffer sur le corps, c'est que le commissaire l'a tué et qu'il l'a empaillé comme il faisait dans la taxidermie, quoi. Mais vous voyez, le gros psychopathe, quoi. Il est devenu un gros psychopathe depuis qu'Umbrella, en fait, l'a enflé, en fait. Donc, du coup, on va placer chacun des objets qu'on a récupérés. Non, merci. Merde, qu'est-ce que je fais? J'ai fait de tout petits arranges, j'ai pas actionné le menu et ça n'avait pas totalement marché.
coup, ça m'a montré le descriptif du truc. Encore un papier, mais qui laisse ces papiers-là? Pour Brian Irons, capitaine de police Raccoon. Suite à l'action terroriste du dissident Albert Wesker, que je ferai un commentaire dès qu'on aura fini le truc, le labo du manoir n'est plus utilisable. Toutefois, son acte ne devrait pas avoir de conséquences graves sur les recherches du virus. En revanche, les survivants du STARS représentent une grave menace. S'il apparaît que les agents Redfield Valentine, Burton Chambers et Vickers sont au courant de nos activités, il est impératif de les éliminer de manière, entre guillemets, accidentelle. Continuez à surveiller et assurez-vous qu'ils ne communiquent pas leurs informations à la presse. Annette restera votre intermédiaire dans cette affaire, William Birkin. Ce personnage de William Birkin, qui est d'ailleurs un scientifique très connu des Resident Evil pour une raison, faut savoir qu'à la base, il était pote avec Wesker. Alors comment tu peux traiter Wesker de dissident et de terroriste? Bon, après, techniquement, dans Resident Evil 0, il a pas trop aimé le fait que Wesker quitte Umbrella, parce qu'en fait, quand Wesker a réalisé son action dans Resident Evil 1, il l'avait quitté Umbrella, en fait. Comme convenu, j'ai pris la soin de transférer la somme de 10 000 dollars sur votre compte. Suite au service rendu, l'élaboration du virus G qui remplacera le virus T est presque terminée. Oh putain, l'exagération. Dans le 1, t'avais le P-Virus, et là maintenant t'as le G-Virus. Eh ben putain. Je pense être nommé au conseil d'administration d'Umbrella une fois la production du virus lancée. Une seule ombre au tableau, la présence de Refine et des autres membres du STARS qui refusent de lâcher l'affaire. Je compte sur vous pour bloquer cette enquête et les empêcher d'infiltrer notre centre de recherche souterrain. William Burke. Nous avons un problème. On m'a informé que la direction générale d'Umbrella a envoyé des espions pour s'emparer de mes travaux sur le virus G. Le nombre de ces agents est inconnu. Il n'est pas question que j'aille s'emparer du travail de toute une vie. Parce qu'en fait, William Birkin, à la base, il travaillait sur le virus T avec Albert Wesker. Faut savoir en fait qu'ils ont volé les recherches du virus T en fait à un mec du nom de James Marcus. Et quand je dis voler, ben c'est tout simplement qu'ils ont assassiné le mec. Et en fait, ils ont volé le virus T, donc du coup, ils ont créé le virus T tel qu'on connaît, parce qu'en fait, ce mec avait créé le virus progéniteur, qui était une sorte de virus, un peu sauvage. En fait, c'était un virus qui servait presque à rien. Et en fait, dès qu'il avait eu le virus T qui était complété, William Birkin a travaillé sur le virus G. Et juste aux événements du Resident Evil 2, il a juste fini le virus G qu'on lui dit « Monsieur Birkin, on va récupérer votre virus. » Éliminer au plus vite le danger que représentent ces espions est tellement au courant via Annette. Et oui, je me rends compte que j'ai oublié un peu. Personne ne volera mes recherches sur le virus G, pas même Umbrella. William Birkin. Putain, quand même, le mec, quoi. Le mec qui est prêt à tout pour conserver ses recherches, quoi. Donc là, il faut appuyer deux fois sur l'ascenseur et Chérie va venir, mais on va lui dire, Chérie, tu restes en bas. Claire! I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Après tout, souviens-toi, Claire, elle disait qu'elle se débrouillait très bien, quoi. Donc, t'as pas à t'inquiéter pour Chérie! Donc là, en fait, on va descendre, excusez-moi, on va descendre dans un niveau important et on va rencontrer le boss. Allez, c'est parti, on avance. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, il lui fait avaler une bite! Regardez cette bite! Et ça, c'est le méchant principal du jeu. Et je sais c'était quoi ce plan avec cet œil, mais bon. Mais franchement sympa, Irons qui a bouffé une bite, c'était magnifique. Donc là, je vais me taire pour une des séquences que j'ai beaucoup aimé de ce Resident Evil 2, notamment avec ce scénario-là. Même si j'ai beaucoup aimé un truc de Irons dans Resident Evil... dans le scénario B de Claire, que je vous mettrai en bonus, tiens, pour vous montrer comment Irons meurt dans le scénario B. Allez, je passe la porte et je me tais pour que vous profitez de cette cinématique épique. So you've made it this far. Not bad, girl. But I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Calm down, Chief. What happened? Shut up!
You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. Dr. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm sure you've already seen his little girl running around here somewhere. Sherry, isn't it? What? In case you haven't already figured it out, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-Virus. An ultimate bioweapon. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. My chest can't take the pain. Fatality. Non, franchement, cette scène, je l'aime beaucoup pour plusieurs choses. Déjà, quand tu vois comment le commissaire devient de plus en plus fou. C'est horrible, quoi, le pauvre. Mais surtout, ça montre un des points positifs qu'ils ont changé par rapport à Resident Evil 1. Les dialogues sont deux fois meilleurs que dans Resident Evil 1. Parce que le mec, tu sentais vraiment qu'il se sentait trahi, quoi. Everyone must die! Et puis, il y a un truc qui me fait beaucoup marrer avant qu'il meure, c'est qu'il dit, si je dois mourir, vous allez venir avec moi. Mais pourquoi t'as pas pressé sur la détente? Bon, après, il n'y aurait plus de jeu, mais quand même, t'aurais pu tirer avant de mourir, quoi. Et c'est encore pire dans le scénario B, quoi. Donc, du coup, on va descendre. Et là, on va affronter le boss. Le premier boss avec Claire, qui est en fait la sangsue qui jaillit de son ventre, en fait. Ouais, le voilà. Mais j'espère que vous n'étiez pas en train de manger en regardant cette vidéo. Alors du coup, je mets en pause pour vous expliquer son pattern. En fait, il a plusieurs patterns. Même si ce boss ne vous attaque que si vous êtes proche de lui, il va surtout vous balancer des sangsues. Et ces sangsues sont chiantes parce qu'elles vous sucent partout en fait. Et elles peuvent vous immobiliser. Et des fois, elles peuvent tellement vous immobiliser que le boss peut vous donner un coup qui vous fait très mal. Et ces sangsues, elles peuvent vous mordre partout, elles peuvent vous mordre à l'épaule, sur le corps, sur les jambes, ou même si vous étiez un homme, sur la bite. Oui, je sais, j'ai repris ça d'Antoine Daniel, mais bon. Bon, allez. Le but, en fait, c'est que je me sers, en fait, de mes cartouches explosives pour lui faire mal, et ensuite que je me sers de mes cartouches acides pour lui faire mal. Si jamais ça ne marche pas, j'ai mon arbalète, mais comme l'arbalète diffuse 3 flèches, à chaque fois que vous tirez, c'est pour ça que j'ai pris le pistolet, même si le pistolet n'est vraiment pas inutile contre ce boss. Allez! Time to die, bitch! Je l'ai complètement loupé! Ah! Je n'ai plus de munitions! Et ces sangsues commencent déjà à me sucer la chatte, merci! Oh, mais il est déjà mort! Ben, magnifique! Allez, dégagez! Mais c'est qui en a un qui me suce le cul en plus? Et en plus, même pas besoin d'utiliser mes deux sprays, ça c'est bien. Donc, du coup, on va retrouver Sherry, du coup. En normal, je crois qu'il est beaucoup plus dur à tuer, mais comme je l'ai dit, c'était un choix pour vous montrer. Pour vous montrer la différence entre les deux personnages. Le mode facile qu'on a vu qui était un peu spécial avec qui vous donnait déjà des munitions. Et le mode normal que vous verrez qui sera beaucoup plus dur. Hein.
Surtout avec Léon, hein. D'autant que le scénario B, c'est pas un scénario simple. Donc là, on va retrouver Chéri, qu'on est toujours choqué d'apprendre que c'est la fille du mec qui a créé le virus G, quoi. Donc du coup, on va prendre Chéri et on va voir le truc magnifique avec elle, que je vous expliquerai après cinématique. Claire, you came back. I can't believe the man who developed the G virus is actually her father. Là, ce plan est dégueulasse, quoi. On a l'impression qu'elle a un œil de verre, quoi. It's nothing. Bah, excusez-moi. But I think I found a way out of here. We should be able to find some place safe if we can just make it out of town. But don't worry, I'll protect you. I promise. But you have to make sure you don't leave my side. La conversation avec Léon. Léon, are you still there? We're leaving. Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. It'll be all right, trust me. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire! Claire! Wait, wait! Allez! Ferme ta gueule, Léon. Et le pire, c'est que dans le scénario B, il va même s'en plaindre d'ailleurs. Il va dire, bon sang, mais pourquoi personne ne veut m'écouter? Parce que vous verrez, dans son scénario, il va se prendre plein de vent à chaque fois, le pauvre. Et en plus, Claire raccroche la nuit après. D'ailleurs, dans Dark Side Chronicles, qui propose un semi-remake de Resident Evil 2, il s'en plaint d'ailleurs des femmes, en fait. Parce que Claire lui dit, tu es plutôt intéressé pour ton coup de cul, bon, il le dit pas vraiment comme ça, intéressé pour ton coup de cul, on devrait pourchasser le coup de cul comme il faut, quoi. Et Léon, lui, s'en plaint, il dit les femmes. Bon, après, il avait quand même fait une remarque désobligeante qui disait, au moins t'as évité de flipper partout. Et elle, il disait les hommes. Et en fait, Léon, lui, il a juste dit ça après son truc. Alors, ce qui est chiant avec Chéri, comme je le disais, c'est que, en fait, Chéri, si vous avancez trop loin. Trop long, en fait, elle se met en goule, et du coup, elle vous suit plus, en fait. Et si vous n'êtes pas à 5 mètres, à 2 centimètres d'elle, elle s'arrête, quoi. Donc là, j'en profite. D'ailleurs, un petit détail, tout de suite. On est juste à côté d'un mec qui s'avait découpé en deux par une sangsue, et Chéri, ça fait ni chaud ni froid. Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir un exemple? Non, elle nous rejoint. Oula! Je suis passé sous l'échelle! Je suis victime de malheur! Bah, c'est pas fait exprès, mais bon. Parce qu'on rappelle, passer sous une échelle, apparemment, ça porte malheur. Et déjà, on va avoir un exemple de malheur, là. Ah, pas encore. Let's get out of here. Ah, le méchant. Claire? Run! Run! Non mais sérieusement quoi. Le méchant t'a même pas vu, tu pourrais dire en chuchotant. Et non, elle fait RUN alors qu'il les a même pas vus, quoi. Mais heureusement que les monstres sont légèrement cons dans ce jeu, quoi. Mon dieu, quoi. Oh là là là. Comment être aussi con dans un jeu... Oula. Pouf Claire. Pouf chérie. Mais bon, au moins, ce qui est sympa dans les jeux vidéo, quand vous tombez de 7 mètres et qu'il y a de l'eau, ça vous sauve. Donc du coup, on contrôle cette petite salope de Chéri, excusez-moi si je l'insulte, mais vraiment, je la préfère mieux dans Resident Evil 6, personnellement. Parce que là, en fait, Chéri est piégée et elle ne peut pas avancer, donc du coup, on avance, on avance, on avance. Là, un petit passage avec un zombie qui m'a fait bien sursauter la première fois. Bon, il m'a même pas remarqué, ce con, donc ça va. Donc on passe ici.
Et là, sur ce passage, courez ! Parce qu'il y a des sangsues, et si ces sangsues vous attaquent trop, vous êtes mort. Ah, il y a des... Merde, pourquoi j'ai appuyé sur la touche de menu ? Parce qu'en fait, ces sangsues, en fait, si elles vous foncent trop dessus, elles vous tuent, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une mission ? Moi je peux récupérer ça si c'est quand c'est pas chaud. Ok, si se passe. Le running gag quoi, chérie, qui tombe tout le temps. Oh, par contre, ça fait bien. Je veux même pas savoir ce qu'il a fait à Chéri, quoi. Non, je veux pas le savoir. Donc du coup, ben, on va pas tarder à terminer l'épisode. On va rencontrer un personnage important et on va terminer sur ses explications, excusez-moi. Je prends une herbe bleue, même si ça ne sert à rien, je tiens à préciser. On va pas tarder à la rencontrer, ce personnage important. Parce que, en fait, ce personnage va nous expliquer qui est le méchant. Non, c'est le coffre que je veux remplir. Donc j'ai pas besoin de toi, j'ai juste besoin de mon pistolet. Voilà, j'ai juste besoin de mon petit pistolet. Toi, je te range au cas où ça ne gêne personne. Donc, vous voyez que j'ai presque plus rien. Si, il y a un truc que j'ai oublié, c'est les rubans encreurs. Puisqu'il y a une machine à écrire un peu plus loin. Alors, il y a un papier là, mais je vais pas vous le lire parce que je l'avais fait dans un entraînement, elle est pas très intéressante. C'est des principes pour dire comment les égouts fonctionnent. Alors là, on va récupérer ce truc parce que c'est quand même important. C'est quand même la carte des égouts. Comme ça, si j'ai un trou de mémoire, ça m'aidera. Commissariat, on l'avait pas fait parce qu'on avait quand même exploré presque toutes les pièces. Alors attention aux araignées, mais bon. Inutile de les tuer parce que ces araignées vous font pas chier. Vous voyez, cette araignée, elle vous balance des trucs qui peuvent vous empoisonner, mais ça ne sert à rien. Et puis de toute façon, si jamais vous faisiez empoisonner, dans la prochaine salle, vous pouvez vous soigner avec un stock d'herbe bleue. Et là, on va rencontrer le personnage principal avec une de mes cinématiques préférées du jeu, d'ailleurs. Allez, enjoy. Who are you? Oh, I see. Another spy sent by Umbrella, right? Let me guess. You're here to steal my husband's G-virus, aren't you? You are tenacious, I'll give you that. Husband? Then you must be Annette. Sherry's mother? What? Sherry's wandering around alone in the sewers. You have to help me find her. That's impossible. I told her to go to the police station. What's she doing here? William will be after her. William? That's right. The creature that's been causing all this destruction is none other than my own husband. Oui. En fait, le méchant du jeu, c'est William Birkin. Mais comment s'est-il transformé là-dedans? Ben, la cinématique va nous l'expliquer. Une de mes cinématiques préférées, d'ailleurs. This way. It's sheer perfection. My precious G-virus. No one will ever take you away from me. Mmh.
There he is. So you've finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. You might hit the sample. Il a quand même dû tirer sur un mec et la seule chose qui l'inquiète, c'est les échantillons. Okay, le capitalisme. Bon, je sais pas si c'est vraiment ça, mais... William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. You'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Fire! Fire! You son of a... Voilà. Voilà comment tout Resident Evil 2 a commencé, parce qu'en fait, ces souris vont diffuser le virus. D'ailleurs, Claire le dit. So those rats were the carriers of the virus? As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. I tried to save him, but I'm afraid it's already too late. But... And that's not even the entire story. Every G-Virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other life forms. That's why he's after Sherry. What are you trying to say? The bodies of individuals with non-related genetic coding are likely to reject the embryo. But since Sherry is his daughter, that possibility is non-existent. It's an inherent survival instinct. Ah! It's Sherry! You go that way. Voilà, en fait, William, en fait, a tenté, en fait, d'infecter Irons, bah, pour se reproduire, ce qui est un peu le truc que pourrait se faire tout animal. Oh, je viens de me rendre compte, j'ai oublié quelque chose. Oh, putain, vous foutez de ma gueule. Eh bien, vous voulez savoir quoi? Ce qui va se passer, bah, c'est qu'on va terminer l'épisode dessus. Oui. On va terminer l'épisode dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo de Resident Evil 2. On va se retrouver du coup pour un prochain épisode de Resident Evil 2 dès que j'aurai corrigé ma connerie et que j'aurai fait la sauvegarde. Ciao, bye bye! With me. What the...